Hier, se sont clôturées à Nouakchott les assises sur la médiation agropastorale qui ont regroupé les partenaires techniques et financiers et les autorités administratives du projet médiation agropastorale au Sahel. Financé par l'Union européenne et le gouvernement du Danemark, ce projet est mis en œuvre par le Centre pour le dialogue humanitaire. Il est exécuté dans les 5 pays du G5 Sahel afin de permettre aux agro-pasteurs de vivre dans la paix et d'adapter efficacement leur système de production au changement climatique. Fafana Issa. Il est bon tout d'abord de noter que plus de 40% de la population des pays du G5 Sahel vit dans l'extrême pauvreté, plus de 30% n'ont pas accès à l'eau potable, plus de 80% n'ont pas accès à des installations d'assainissement améliorées et seuls 22% avaient accès à l'électricité en 2018. Il faudrait ajouter à cela que 81 millions d'habitants de la région du Sahel font face également à des niveaux d'éducation les plus bas au monde, les plus mauvais résultats en matière d'indicateurs de développement humain, une production agricole très faible. C'est dans ce contexte que le programme Médiation agro-pastorale a vu le jour dans les 5 pays du G5 Sahel afin de contribuer aux efforts de stabilisation en soutenant la prévention des conflits et la coopération entre les acteurs. En Mauritanie, le projet médiation agropastorale au Sahel couvre les deux régions du Haut-Aude, le Guidimara et la Saba, avec une centaine de médiateurs communautaires constitués en réseau sur un total de 12 communes. Ces médiateurs communautaires ont pour rôle de prévenir les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles et les risques d'escalade de violence au niveau communautaire, de réduire la conflictualité au sein de communautés agro-pastorales et le long des routes de transhumance. Aussi, faciliter le dialogue entre les communautés et les acteurs étatiques sur les enjeux agro-pastoraux au niveau local, national et régional. Dans son allocution tenue à cet effet, M. Abdallah Mohamed Ali, conseiller en médiation HD Mauritanie, a rappelé que le Sahel est une terre d'opportunités avec un fort potentiel de croissance, soulignant que 2 personnes sur 3 vivent de l'agriculture et de l'élevage. Il a dans ce sens souligné que la région du Sahel est confrontée à des problèmes d'ordre sécuritaire, humanitaire et de développement. À sa suite, dans le message qu'ils ont adressé aux autorités nationales, les médiateurs communautaires ont rappelé qu'au cours de cette dernière décennie, la Mauritanie est en proie à des urgences sécuritaires, économiques et sociales conjuguées aux effets du changement climatique, ajoutant que la pandémie du Covid-19 a également causé un impact négatif à l'économie locale et sur la transhumance. Les femmes ont également adressé un message à l'endroit des autorités pour attirer leur attention sur la faible scolarisation des filles au niveau des communes rurales et l'inaccessibilité au processus d'enrôlement des enfants sur les fichiers de l'état civil. Les femmes ont en outre expliqué que l'enclavement de leur zone complique l'accès aux centres de santé en saison hivernale, ce qui ne facilite pas les consultations prénatales et le suivi des femmes enceintes. Toutes ces problématiques qui justifient donc le bien fondé de la mise en œuvre de ce concept.